Algérie, septembre 1960, septembre 1962. Je suis né à la fin de la guerre d'Algérie et au début d'une autre guerre. Celle qui allait continuer de se poursuivre dans le corps énervé de mon père pendant 40 ans. Quand il se mettait en colère, il se transformait en monstre, inapprochable, bouche hurlante, nous projetant tous dans la maison de Shining. Partager le regard de mon père dans ces moments de fureur, c'était partager la férocité de son silence intérieur. Mes frères et moi, on se disait, un jour le gars va carrément péter un câble. Mon petit papa, souillant l'atmosphère familiale de sa dysenterie chronique, d'un anus qui exulte dans le bruit et la rage, l'odeur pestilentielle de la honte, la porte ouverte des cabinets. Il ne supportait pas de chier la porte fermée. Rugissant dès qu'on osait repousser la porte, forcé à assister à sa débâcle scatologique, à sa honte merdique. Il arrivait que des gars restent dans la baignoire. Ils calanchaient. On emmenait les cadavres en opération. On rafalait les cadavres, puis on les larguait dans le djebel, quoi. Alors, le lendemain, les Arabes venaient nous dire « Il y a un cadavre à telle place ». On le savait. Nous, on savait que c'était à nous le cadavre. 1,5 million de jeunes gens, pour être précise. Nourris des idéaux propres à leur âge, liberté, égalité, fraternité. 1,5 million de jeunes qui avaient dû renoncer à leur jeunesse pour répondre aux couleurs d'un drapeau. 1,5 million de jeunes gens qui allaient devoir se confronter à des peurs, à des horreurs qu'ils n'avaient jamais imaginées. Jamais. La folie d'État. L'une coupe des têtes et des couilles, l'autre torture à la gégène. La raison par le meurtre, la libération par la soustraction, la justification par le nombre. Chiffre de la guerre d'Algérie. 2588 civils disparus. 875 250 000 tués. Les chiffres de moyenne approximative. 1,027,788 civils 2015 chiffres de la guerre d'Algérie. 2588 civils disparus. 875 250 000 tués. Les chiffres de moyenne approximative. 1,027,788 civils 2015 civils tués disparus. Que notre sang s'illumine, que nous prenions feu, pour que s'émeuvent les spectateurs, que tout le monde ouvre enfin les yeux, non pas sur nos dépouilles, mais sur les plaies des survivants.